Reporter Brigitte von Trapp pour la Nouvelle Allemande. J'ai juste revenu de Paris pour examiner le traité de Versailles et l'importance de notre bel pays. Les 11 articles du traité de Versailles les plus importants sont les suivants. Article 42. Il est interdit à l'Allemagne de maintenir ou construire les fortifications soit sur la rive gauche du Rhin, soit sur la rive droite, à l'ouest du ligne tracée à 50 km à l'est de ce fleuve. Article 43. Sont également interdits dans la zone définie en l'article 42 l'entretien ou le rassemblement des forces armées. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir les armes ou les fortifications sur la frontière du France. Ça veut dire qu'on ne peut pas défendre cette région. Article 51. Les territoires cédés à l'Allemagne, à savoir l'Alsace-Lorraine, en vertu des préliminaires des pays signés à Versailles le 26 février 1871 et du traité de Francfort du 10 mai 1871 sont réintégrés dans la souveraineté française à dater de l'armistice du 11 novembre 1918. C'est juste pour dire que l'Alsace-Lorraine appartient à France encore. Article 119. L'Allemagne renonce à ses droits sur ses possessions d'outre-mer. Ça veut dire qu'on ne peut pas exporter ou importer outre-mer. Article 160. L'armée allemande ne pourrait dépasser 100 000 hommes. Ce petit nombre de soldats n'est pas suffisant de gagner ou même s'engager dans une attaque. Article 171. C'est également prohibé la fabrication et l'importation en Allemagne des chars blindés et des chars d'assaut. Les chars sont des véhicules militaires importants qu'on ne peut pas posséder. Article 173. Tout service militaire est aboli. Ceci affecte directement et éminemment l'Allemagne. Commencement maintenant, on ne peut pas avoir des nouveaux soldats qui s'entraînent pour l'armée allemande. Ça va détruire la future de l'armée rapidement. Article 198. Les forces militaires ne pourront comprendre aucune aviation. Maintenant, les armées ne pouvant pas utiliser les avions pour leur technique et stratégie militaire. Article 231. L'Allemagne reconnaît qu'elle a les pays de Triple Alliance sont responsables de tout part et tous les dommages subis par les pays de Triple Entente. Alors, on a perdu la guerre. Mais on est responsable pour tous les dommages et les paiements qui étaient faits pendant la guerre? Article 232. Les gouvernements alliés, c'est-à-dire de la Triple Entente, exagèrent et l'Allemagne en prendre l'engagement qu'il soit réparé tous les dommages causés à la population civile des Alliés et ses biens. Alors? L'Allemagne est responsable de réparer tous les dommages. Article 428. À titre de garantie, les territoires allemands situés à l'ouest de Rennes seront occupés par les troupes de puissance alliée pendant une période de 15 ans. Pendant 15 ans, les soldats du Triple Entente vont patrouiller autour des territoires à l'ouest du Rhin.
Maintenant, je vais demander Liesel Steinberger en allemand pour son opinion sur cet arrangement. Bonjour, je suis Liesel Steinberger et je suis enragée à propos de cette traité de Versailles. On n'est pas en sécurité maintenant parce que toute notre armée est abolie. Comment est-ce qu'on va être en sécurité dans ces temps, dans cette place de Allemagne? Maintenant, on n'a pas de ressources. On ne peut pas vivre sur seulement l'Allemagne. On a besoin des ressources des autres pays. Comment est-ce qu'on va faire ça? Pas maintenant. Mon fils, il est 16 et il voulait s'enregistrer dans l'armée. Et maintenant, c'est penser de faire ça, ça va être complètement rien, comme il ne veut pas aller dans l'armée maintenant. Et jamais il va être... il ne veut jamais le faire. Et je parle de mon emploi. Qu'est-ce que je vais faire à propos de ça? J'ai fabriqué des chars d'assaut pour vivre et maintenant on ne peut pas fabriquer des chars d'assaut ou des chars blindés. Alors comment est-ce que je vais avoir d'argent? Je ne sais pas, ça va être impossible. Dans ces temps, c'est presque impossible d'avoir un emploi stable. Et finalement, comment est-ce que c'était toute la faute des Allemands pour les dommages? Ce n'était pas, c'était tous les pays qui étaient dans la guerre. Comment est-ce que nous, les Allemands qui ont perdu la guerre, on fait tous les dommages? Je juste demande ça. Non. Ça, c'est une opinion.